Salut à tous, c'est Steak du 45 et on se retrouve pour la suite de Resident Evil. C'est parti. J'avais le fusil à pompe. Est-ce que je peux combiner les deux? Ah ouais, si, d'accord. En combinant dans les deux, ça fait des munitions pour le pistolet. Donc on a la clé, du spray. Ah tiens, il y a encore de la poudre. Oui, là aussi il y avait un cadenas. Je peux pas mettre ça. Parce que là, il y a du C4. Là, je peux rien mettre avec. Ici. Parce que là, faut que je trouve l'utilité de la pile. Normalement, elle doit servir à quelque chose. Y aller.
je trouve la salle des opérations. Salle des opérations. Appareil électronique. Les archives. Là, il y a le bureau des Stars qui doit être par là. Ouais, passons par la douche. Alors ça encore en bas. Alors ça, les opérations, elle est juste là. Tout droit. On a une plante. Ouais. Bon, pour l'instant, la plante, je vais la laisser là. Ah, voilà, appareil électronique. C'est ça qu'il me faut. Jeter pour l'instant ça. Là, je vais juste revenir là. Ça, je vais le déposer. Ça aussi, je vais le déposer pour l'instant. Peut-être pas besoin. Puis voilà. Ah oui, d'accord, c'est où on était passé. Alors. Ah voilà. On a le détonateur maintenant. Oh. Je crois qu'on a un bruit.
Là, faut retourner en haut. Zombie là. Ok, donc là on est arrivé là. C'est quoi cette la licorne celle-là? Non, c'est la dame. Je crois que c'est la dame. Attends, ça fait une dame. Ça s'annonce mal. Oh là là. Aïe aïe aïe, change d'arme. C'est bon? Ils sont morts? Alors mon état il dit soir. Ouh, attention. C'est moi qui les avais tués là? Ah, il a fait mal lui. Oh là là. Lui il est encore là. Ah oui d'accord, en fait dedans c'est directement des sprays.
Je vais me soigner quand même. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! On fiche le camp. Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non. Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Même pas le temps de sauvegarder la partie. Chemin de la déesse. C'est quoi ça? Ah, il faut un... Ah oui, d'accord, il faut un truc pour le tourner. Ah, des balles de fusil à pompe. Ah bah tiens, parce qu'elle est là. Ah bah là on retrouve de la poudre. Ok, donc là j'avais aussi de la poudre noire. Tac. Je vais la combiner. Voilà, ça me refait encore des munitions. Donc en stock de munitions, là, je suis quand même pas mal. Il fait bien sombre, hein. C'est quoi dedans? Mathilda. Ah. Bah là, j'ai pas de clé, j'ai rien. Ouais. Y a pas de tissu là.
grenade. Ah! Ok, j'avais pas vu ici. Qu'est-ce que c'est? À gauche, il n'y a rien. En tout cas, ça fait peur. Umbrella. Je le suis, lui. Heureusement, j'ai plein de balles, hein. Ah, je suis bloqué. Ah. Quelqu'un m'observe.
T'as pas plus rien. Une plante, hop, je vais la combiner avec celle-là. Hop, des munitions. Tiac, je rajoute avec ça. Ouais, par contre, faut que je trouve l'échelle là. Est-ce que je peux la combiner avec celle-là? Comme la prendre au cas où. Ouais. Ah, elle de la poudre. Tiens, une plante verte. Hop. La combine là. Là, au moins, il y a beaucoup de vie. Rien d'autre ici, hein. Non. Tant qu'il n'y a pas des chiens et un mutant qui vient m'attaquer. Oh, sacoche. Allez hop, deux cases. Ça, ça tombe bien, ça. Alors, on peut encore se faire de la partie. Du coup, il me restait quoi? Ouais, ça, on va laisser ça comme ça. Mais du coup, la grenade, je l'ai pas jetée ici. Ah si, il sera j'ai utilisé. On entend des chiens. Pas dire. Donc là, il faut insérer une carte. Merde. Il me faut la carte. Oh, c'est pas vrai. Tu vas me lâcher.
Qui êtes-vous? Attention! Bessa. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Hé! Hey, mais qu'est-ce que je dois faire? Plan du commissariat B. Ok. Tu fais dodo ou pas? Ah ouais, c'est dans les prisons ça. Ils sont s'ils sont dans les prisons. Ah putain. Ah. Y'a quelqu'un? Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là? Trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ces magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez! Allez, fais pas le con! T'as besoin de ça! Fais-moi sortir de ce putain de trou! Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça. Je connais même pas votre nom. Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra.
Moi, c'est Ada. Marché conclu, Ada. Ah, quelle horreur. Ah, en fait, il faut rajouter un autre truc. Panneau électricité des cellules. Le panneau électrique HS, est-ce que le responsable pourrait régler ça et vite? Tout le monde doit le savoir, mais vu l'âge du panneau électrique des cellules, on va avoir besoin de pièces. Que plus personne ne fabrique, il doit y avoir dans la salle des générateurs. Addendum, on me signale qu'il y a qu'une seule de ces pièces dans la salle des générateurs. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique, lui demande gentiment. Ah. Ça allait ouvrir les portes. Putain, merde. Et dodo. Parce que là, tout est verrouillé. La carte, il y a le parking, il y a le cellule, donc panneau électrique, cellule, il y a quoi là, chenille, centre de tir, enfin, la salle de générateur elle est complètement au fond, et la morgue, voilà, la morgue il y aura plein de zombies, what? Ok, c'est la porte qui s'est fermée. Elle a encore disparu, Ada. Ok, c'est fermé. Là, on se trouve où? Ok, juste là. Salle de générateur, il est un peu plus long. Ah ok, donc là c'est le stand de tir. Alors, destruction d'équipement. Objet à détruire, clé du véhicule de patrouille 6439. Détail, clé pliée inutilisable, mais pouvant encore... Ouvrez les portières et le coffre de la voiture. Place au bouton. Donc une boîte. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis c'est très dangereux, alors ne faites pas ça, à bientôt au zoo. Monsieur Raccoon. Ok, là c'est rose. C'est le stand de tir là. En fait,
là, on est derrière le stand de tir. Je regarde un petit peu. Bah, forcément, après, il n'y a plus rien. Là qui mène à des escaliers. Et là, passons sur le mur. Ah, c'est fermé. Tuer s'ils arrivent à sortir. Okay, donc là c'est ouvert. Ah, on rentre à la morgue. Voilà, faudra peut-être mourir à un moment donné. Des trucs cachés dedans, je sais pas. Ah, c'est vide. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un dedans. On va quand même l'ouvrir en... Je sais pas s'il y a un truc à prendre à la morgue. Non. Lui, ça se voyait quand même, il allait se réveiller et tout. What? Ah, ok, c'était un truc. C'est une grenade. Je t'en referme, t'inquiète pas. Vide. Vide. Ouah.
Elle a fait peur. Ah, une plante rouge. Ah, je peux pas la prendre. Rapport d'autopsie. Nom du défunt, Justinson, homme blanc, 39 ans, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaît très vite et sans doute mort peu après l'extraction des feux. Le défunt est un kleptomane nocturne, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Ok. Bon, à part ça, il n'y a plus rien d'autre. Là, j'ai ça. Là, je peux l'ouvrir. Donc là, je suis à la salle des générateurs. Hein. Donc c'est ici qu'il devrait avoir la pièce. Première chose que je regarde toujours, s'il y a quelqu'un. À côté, il y a une autre pièce là. Pose authentique en boîtier. Ah, c'est ça qu'il me faut. Ouais, là, je suis vraiment plein de chez plein. Qu'est-ce que je jette? Il y a quelque chose à l'intérieur. Objet clé. Ah, ok, j'ouvre. Ah, il y a une clé très bien. D'accord, il y a une clé dedans, donc c'est... Ouais. Bon, allez, je vais jeter la poudre. J'entends un chien. Ah, ok. Oula. Oula. Hey. Ouais, viens là, oh. J'ai la lumière.
pour ça. La vache. Le chien là, je l'entends à droite, mais par contre, j'ai ouvert une des portes. Hein. Je sais même plus laquelle. Parce que là, il y a un mur. Là, c'était la salle de générateur. Donc, composants électroniques. Trouver les pièces. Donc, j'ai les pièces de toute façon. Waouh! Vous allez vous calmer là, les chiens. Oh de Dieu. Ils sont partout. Donc là, c'est Exi. Je sais plus en fait, faut aller où. Je crois que c'est cette porte là qui s'est ouverte. Je vois rien là. Là t'as une jolie vitre hein. Bleu, j'ai plus de place. Ok. Bon, bête. Composant électrique. Ah bah tiens, il y a un composant. Ah c'est chiant ça, hein. Je vais devoir jeter encore des trucs. Dans le sac, on peut pas fouiller. Ok, non. Des munitions, ouais. Ah bah tiens, une machine à écrire. Bon et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Resident Evil Remake. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.